Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 26e épisode. 26e épisode, on va commencer à nouveau une nouvelle saison. Une saison évidemment qui va être incroyable parce qu'on a tout débloqué. On a tout débloqué, du coup on va pouvoir améliorer notre endurance. Grâce au classique, on va pouvoir améliorer notre résistance. On va pouvoir améliorer nos points montagne aussi, tout simplement. La saison est finie, on gagne 2 millions. Oh là là, mais quel budget on va avoir. On va pouvoir améliorer nos points montagne. Il nous reste encore une étape de montagne à gagner. Et après, ce sera le Giro d'Icône qu'on aura débloqué, qu'on va essayer de gagner, de déjà terminer, et puis de gagner derrière. On va évidemment d'avoir le meilleur poids. Pas mal d'objectifs, ça va être surtout sur les classiques. Et puis bien sûr, sur le Tour de France, il va falloir avoir des maillots. Je pense que ça sera la dernière saison où je vais tout jouer. Et la saison prochaine, on jouera surtout le Tour de France. Voilà, parce que après, il y aura. Ça dépend évidemment si on gagne tout ou pas. Si on a besoin d'améliorer des choses. Mais peut-être on fera les classiques et que le Tour de France, je sais pas. Déjà pour commencer, on va se refaire notre équipe. On avait dit, on prend Lopez. Ça, on me l'avait demandé. Ok, on prend Lopez. On prend aussi notre ami Bardet. Hop. Bardet qui est pas mal. 78 montagnes. Parfait, ça nous fait déjà deux coureurs en montagne. On va prendre un gros grimpeur. Il nous reste 870 000. Porte ne veut pas un grimpeur concurrent. Il y a qui comme grimpeur concurrent? Personne. Juan Carty, peut-être. On va prendre Carty. Ou est-ce qu'on prend Pinot? On va prendre Pinot. Enfin, on va prendre Pinot. Pinot qui va être très très fort. Voilà, donc notre équipe de grimpeurs. Donc on a toujours Vingegaard, bien sûr. Roland, Lopez, Bardet, Pinot. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On n'a pas pris les gros. De toute façon, on n'a pas le budget pour eux. Peut-être pour Guggenhardt, on aurait pu. Mais on aura Pinot pour ça. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a qui jouerait la place de Alaf? Il veut 4 coéquipiers avec une note générale d'un 75. Il nous manque du... Ah, par contre j'aurais bien voulu prendre Van Aert, mais on peut pas. Par contre on va prendre Cavagna. Ah, on peut pas, on a pas de sous. On a pas les sous. Ah, peut-être si on vend quelqu'un. Si on vend quelqu'un. Genre si je vends Vingegaard. Il coûte combien? Je sais pas qui c'est le plus cher dans mon équipe. C'est moi, je pense. Je suis à combien, moi? Je suis à 500k. Ok. Je me vends. Évidemment, je peux pas. Non, on va prendre Cavagna, du coup, on va prendre... Est-ce qu'on prendrait pas Denis? Denis pour les contre-la-montre, c'est pas mal, ça. Hein, il en est goût. 81. Ouais, on va prendre Denis. On va prendre Denis. Ah merde, budget insuffisant. Attends, on va vendre un coureur. On va vendre Thomas, qui nous a bien servi, et on va prendre Denis. Et bien voilà l'équipe. On a plus de thunes, hein, par contre. Voilà, on a pris surtout des grimpeurs et un très très bon coureur de contre-la-montre. C'est pas mal, ça. Allez, on va au calendrier. Donc là, évidemment, on va faire le 3 jours de Provence. On va potentiellement essayer de gagner, du coup, parce qu'on a tout débloqué. Oh, ça va être incroyable. Potentiellement essayer de gagner l'étape de montagne. Au moins, on va augmenter notre montagne à 76 et on pourra partir dans l'échappée et faire des bons trucs. Alors nous évidemment, Attends. Lopez, Paris-Nice, Tour de France. Est-ce qu'on met Paris-Nice, Tour de France? Je mets très bien en vrai Lopez. Tour de France, Open Tour. Il a 81 montagnes. Parce que là, l'Open Tour de la dernière fois, je l'ai pas digéré. Denis. Denis, il a combien en pavé? 65 pavés. Il va pas tenir en pavé. Par contre, sur les pavés... Bon, évidemment, on va laisser en Tour de France. On va le laisser comme ça. Au moins, il va m'aider. Pinot, Paris-Nice, Dauphiné. Paris-Nice-Dauphiné. Attends, mais Lopez. Non, tour de... Lopez, je veux le mettre en... Attends. Je peux pas le... Ah, je peux pas. Tour de France, Open Tour, je peux pas. Ils veulent pas, a priori. Ils sont pas d'accord pour ça. Non.
Mais alors, c'est Pinot que je vais mettre en Tour de France. C'est Pinot que je vais mettre en Tour de France. Et Lopez, je vais le mettre en... Là. Paris-Nice, du coup, Tour de France. Pinot, je le mets en Dauphiné Open Tour. Voilà. Nous, on est en Paris-Nice. Attends, non, on va pas faire ça. Par contre, on va pas faire ça. On va pas faire ça, je veux qu'on soit en pic de forme sur le Tour de France, là, c'est sûr et certain. Ben, pic de forme sur les classiques, pic de forme sur les classiques et pic de forme sur le Tour de France. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait. Alors, on sera juste en mauvaise forme, par contre, pour le Giro di Como, alors qu'il sera plutôt important. Mais voilà, c'est un peu le Tour de France, notre priorité, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bardet, je le mettrais bien. 71 pavés, bon, il n'y a pas trop beaucoup m'aider en vrai. Bardet, Paris-Nice, Tour de France. Vingegaard, Paris-Nice, retour, parfait. Roland, 3 jours de Provence, Open Tour, parfait. Magnulti, on va le laisser comme ça. Madouas, sur la Brice Cup et sur les 3 jours de Provence, c'est parfait. Paché, ok. C'est pas mal ça ce qu'on a. Donc en gros, sur le Tour de France, on aura Lopez, Denis, on aura Bardet. Donc on aura nous, bien sûr. Et le Giro du Como, on verra. Peut-être que je vais pouvoir quand même le gagner, ça va être chaud quand même. Sans forme, on verra, mais. Si on peut choper une bonne fin comme ça. Et puis Paris Peintre, qui sera pas mal. On va avoir une bonne team. On aura Magnulti qui sera pas trop mauvais, Pinot qui sera pas trop mauvais. C'est bien. Et Van Poppel. Ok, on a la team. On a la team. Allez, on va passer aux 3 jours de Provence, parti. C'est parti! Non, on va pas modifier l'équipe. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première. T'inquiète, là l'objectif c'est juste de gagner la dernière étape de montagne. En espérant avoir une pas trop mauvaise forme. Mais je pense que ça va le faire, les gars, j'y crois. Les gars, j'y crois. On est favoris, déjà. Bon, là, je vais même pas vous montrer le sprint intermédiaire. Je vous montre juste la fin d'étape, le sprint final. Et pareil pour les 3 étapes. Parce que voilà, ça va être un épisode assez court pour le coup, mais on veut le passer vite. Les sprinteurs auront probablement des ambitions. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, ça reste le Paris-Nice. Le Paris-Nice, le Tour de France. En vrai, c'est le Tour de France. Parce que clairement, je sais qu'on va pouvoir gagner plein de trucs. Donc ça va être le Tour de France surtout. Allez, à tout de suite. Allez, on arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Ça va être compliqué, effectivement. Il y a 20 secondes d'avance pour l'échapper. Mais je pense pas qu'ils vont résister. Par contre, moi, je suis en train de me faire totalement. Laissez-moi passer, les gars. Putain, je suis contre les barrières, je peux rien faire. Je vais essayer de m'avancer un petit peu parce que là, je suis complètement bloqué, je peux rien faire. En plus, on n'arrive pas. Ah putain, il faut vraiment que je passe. Mais là, il y a un bouchon. Laissez-moi passer. Ok, si je peux passer là peut-être. Ok, j'ai trouvé un trou. Ah putain, ils m'ont bloqué. Ok. Allez, on va récupérer un peu de rouge. Ça va, on est pas trop mal placé. On arrive dans le dernier kilomètre. C'est bon, on a tout récupéré. On va pouvoir aller sprinter. Allez, on va lancer. On va lancer maintenant. C'est parti. Je pense que l'échappée gagne. Et encore que, c'est pas sûr. Ah, l'échappée gagne. Bien joué à eux. Enfin, top 10. Avec la mauvaise forme qu'on avait, c'est ok. C'est vraiment ok. Y a pas de soucis. De toute façon, on va pas se... L'objectif sera plus en montagne. Alors j'espère qu'on aura une bonne forme. Hein. Sinon, on enverra Roland ou un truc comme ça. Mais en vrai, on a une bonne équipe de grimpeurs là. Cette étape est pour lui. Très très belle victoire de Sanchez. Au final, on arrive tous dans le même temps, donc c'est ok. Le résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne... On a fini 10e. Bon, n'est que la première étape. Oui, tranquille. On a une belle équipe. On a mis un point. Incroyable. Allez, deuxième étape. Barem Vance. Une étape plutôt pour les étapes de vallon. En vallon, on n'est pas trop mal. Hein. Je crois qu'on est à 76, 77, 78, je sais plus. On fait toujours partie des favoris, c'est cool.
On a une, toujours une mauvaise forme, c'est moins cool. 77, Valon. Ok. Allez, on va lancer. On va voir ce qu'on peut faire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le dernier classement de la montagne risque de s'avérer crucial pour la victoire du jour. Avec son sommet placé à moins de 8 km de l'arrivée, les punchers trouveront là une occasion en or. C'est parti pour la deuxième étape. Voilà, on va. Pareil, on se rejoint sur la fin et on verra bien. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Il y a l'OPS qui est devant. Nous, on s'est fait totalement bloquer par Pierre Roland dans la montée. En fait, il était devant, il est parti trop loin et du coup, il s'est arrêté, il nous a bloqué. Mais bref, c'est pas grave. On a l'OPS qui est devant. On a l'OPS qui est devant. Nous, on est juste derrière. Dans un petit groupe, on va pouvoir revenir. De toute façon, on va essayer de garder un maximum de gel pour pouvoir sprinter sur la fin. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Je pense pas. Mais Lopez, en tout cas, il est là devant. Lopez est bien placé et ça, c'est le plus important parce que c'est plus, je pense, le leader de l'équipe sur le général. C'est notre meilleur grimpeur de toute façon. Hein. Donc il est là, il est présent. Et nous, nous, on va essayer de faire quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais on va essayer de faire quelque chose. Peut-être de revenir. Est-ce qu'on peut demander à Paché de rouler pour nous? On va demander à Paché de rouler pour nous. Allez, Royal à la bloc, mon petit. Parce que là, pour l'instant, c'est nous. Et c'est pas le but. Je veux juste pas perdre trop de temps. Après, la victoire d'étape, ça on voit, mais. Est-ce qu'on est en train de revenir? On est en train de revenir en vrai. Il reste 3 km. Hein. Il reste juste 3 km. C'est nous qui ramenons, mais tant pis. On n'a pas le choix. Ouais, je pense pas qu'on vienne. 30 secondes, c'est trop. Allez, Quentin. On est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin à 30 secondes. Lopez qui est toujours là. Lopez qui va pouvoir faire son sprint. D'ailleurs, tu vas prendre ton petit gel avant de faire ça. J'espère qu'il va le jouer. Hein. Allez, on arrive dans le dernier kilomètre. Cette étape, je crois, on n'a jamais réussi à la gagner. Allez, c'est parti. C'est parti, on est en descente. On va pouvoir lancer. Bon, on essaie de revenir un petit peu là parce que. Qui va gagner? Attention. Oh, j'ai l'impression que Lopez fait une hyper mauvaise place, non? Je sais pas. Mais merci Pierre Roland de nous avoir entièrement bloqué, quoi. C'est dommage, on était à l'avant du peloton juste derrière lui. Et pouf, il s'est arrêté, il était comme ça, à 50. Il avançait même pas, donc on était sur du 15%. C'est Paulin pour l'instant, du coup, qui est premier général. Le résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espoirs. Ah, Lopez qui finit 10ème. Nous, on est 15ème, ça va. Hein. En vrai, ça va, il y a quand même belle place. Donc on a 2 points pour l'instant, on n'est pas super bien placé quand même. Dernière étape, celle-là est importante. C'est pas notre meilleur début de saison. Clairement pas. Mais après, voilà, parce qu'on n'a pas mis nos objectifs sur les mêmes endroits aussi. D'habitude, on met les objectifs sur ça. Clairement, c'est normal aussi. Toujours en très mauvaise forme, par contre, Lopez qui sera en bonne forme. Pierre Roland aussi qui sera en bonne forme. Mais Pierre Roland qui est tellement loin. Je sais pas comment il a pu prendre 5 minutes. Parce que du coup, il est resté bloqué, mais longtemps, ouais. Les deux côtes placées juste avant l'arrivée permettront aux coureurs les plus en forme de tenter leur chance pour s'imposer. Je ne sais pas. Alors on verra pour la fin de l'étape. Ça va aller vite hein, de toute façon. On fera rouler Bardet. Oh, Bardet qui est en très bonne forme. Il y a moyen qu'on. Bardet, il est combien en général là? Je regarde juste ça. Bardet qui a 1-0-1. Oh, il y a moyen que je l'envoie attaquer Bardet. Hein. À la fin de l'étape, l'étape. Elle a toute. Allez, on arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On est avec Lopez. Bardet, on l'a perdu. Parce que j'ai aucune raison à vous donner. En fait, en plein milieu de l'étape, il est passé à 4 minutes du peloton. Je ne sais pas. Mais je vais faire semblant qu'il ne sert à passer. Hop, oh, on est en train de perdre Lopez. Faut faire attention. Ok. Alors, on n'est pas trop mal placé en vrai. Par contre, c'est moi qui roule du coup, ça m'embête un peu. Ok, Lopez, on va se mettre en vite fait en aéro histoire de récupérer un tout petit peu de bleu. Ok, ça roule pas mal. Peut-être moyen de gagner cette étape en vrai. Peut-être moyen de gagner cette étape. Voilà, on se remet en aéro, on récupère un petit peu. On a 2 km 2 de. On est bien, on est très très bien. En plus, il nous reste un petit peu de bleu. Allez, le dernier kilomètre qui va arriver. Je pense qu'au sprint, je les bats tous. Hein. Oui, normalement, au sprint, je les bats tous. Bientôt la flamme rouge pour les hommes. Allez, le dernier kilomètre.
réussir à s'imposer aujourd'hui. Allez, ça attaque. Polanka attaque. De la Cruz qui est là. J'ai bientôt plus à avoir de jus. Est-ce que je vais pouvoir gagner? Je pense pas. On est en défaillance. Non. Malheureusement, je pourrais pas gagner. Il me manquait encore du bleu. Bon, évidemment, forcément avec 3. Enfin là, j'étais en très mauvaise forme. Donc Lopez aurait pu. Mais le problème, c'est que vu que je l'ai fait rouler, clairement, ça l'a empêché de pouvoir faire ça. Donc on va pas gagner cette étape. On va pas gagner les 3 jours de Provence. Mais c'était prévu. C'était prévu. Le seul qui aurait pu vraiment. Ou que j'aurais pu. En fait, Lopez, j'aurais pu le faire gagner. Mais Bardet, je ne sais pas pourquoi. Il était 4000 minutes. J'ai dit, oh, écoutez les gars, en plein milieu. Parce qu'en plus, j'ai même pas vu de chute. Il a passé la ligne d'arrivée en tête. Je fais une pause. Les gars, en plus, il est en full forme, bien sûr. Il a dit, je fais une pause. Écoutez les gars, on vient plus tard. À l'auteur de mes espérances. C'est pas catastrophique. Ça va, on est bien placé en vrai. On fait 9 et 10 avec Lopez. Qu'on a. On a 16 points pour la team. C'est le pire début de saison au monde. Mais c'est pas grave. Parce que là, par contre, le Paris-Nice. Là, le Paris-Nice, on a une équipe. Mais le Paris-Nice, objectif nous. Objectif Zell. Même si on n'a pas mis notre forme dessus. On a mis notre forme sur les classiques, les 3 classiques. Et objectif Zell. La Brice Cup, je pense, ça la fera pas. Hein. La Brice Cup, on va la passer. Parce qu'il n'y a pas l'étape de montagne, donc c'est pas intéressant pour nous. Et je crois que l'étape Bologna, on doit pas en gagner. Tout ça pour vous dire que voilà, 3 jours de Provence, un début de saison tranquille, on a refait l'équipe, on a pris Bardet, on a pris Lopez, on a pris Pinot, on a pris Bastou et Denis. Donc une belle équipe quand même, on a formé un beau groupe. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode évidemment pour le Paris-Nice. Vu que je mettrai pas, je pense moi les milieux d'étape, peut-être qu'on le fera en entier, alors les 8 étapes. Ça fera un épisode un petit peu plus long, mais je pense que quand je ferai ça, parce que je mettrai, en gros je mettrai juste les fins d'étape comme je vais faire là. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Ciao ciao.